tous sur cette masterclass enregistrée à l'occasion de la 5e édition du Forum de Boulogne-Billancourt. Donc, c'est un forum organisé en partenariat avec Grand Paris Seine-Ouest, Pôle Emploi, Seine-Ouest Entreprises et Emploi et la ville de Boulogne-Billancourt. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Camille Dohat, responsable du recrutement et de la mobilité chez BNP Paribas Real Estate, leader européen des services immobiliers et parrain du Forum 2021. Donc, bonjour Camille, vous avez choisi de nous parler des bonnes pratiques à adopter en matière de CV et d'entretien. Et effectivement, il est bon de revenir régulièrement aux bases de la recherche d'emploi, car malgré la digitalisation, les réseaux sociaux professionnels, toutes les nouvelles pratiques RH, dans un processus de recrutement, on finit toujours par repasser par ces deux étapes fondamentales que sont le CV et l'entretien physique. Donc, je rappelle à tout le monde que vous avez la possibilité de poser vos questions sur ce webinaire en utilisant les boutons Q et R, questions-réponses, le chat, parfois ça s'appelle converser selon la version de votre navigateur. Et donc, je transmettrai vos questions à Camille Dohat à la fin de sa présentation. Ce webinaire sera proposé en replay. Nous le mettrons à disposition sur le site seine-ouest-entreprise.com qui vous permet aussi d'accéder aux différentes offres des employeurs présents cette année sur les stands digitaux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous cède la parole, Camille, pour cette masterclass RH. Merci à vous. Merci à vous, Emmanuel. Alors, je voudrais vous dire que je suis tout à fait ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour animer cette masterclass RH grâce au partenariat avec Seine-Ouest Entreprises Emploi et la mairie de Boulogne, que je remercie pour cette opportunité. Je m'appelle Camille Dohat, Emmanuel m'a présenté, je vais compléter rapidement. Donc moi, je travaille chez BNP Paribas Real Estate, la filiale immobilière de BNP Paribas depuis 2008, et je suis responsable du recrutement et de la mobilité interne dans l'entreprise depuis 2016. Entreprise dont le siège social aujourd'hui est basé à Issy-les-Moulineaux, sachant que nous allons avoir le plaisir d'emménager à Boulogne à horizon 2022. Donc, je me propose aujourd'hui d'aborder avec vous les deux fondamentaux de notre processus de recrutement, le CV et la préparation de l'entretien de recrutement, la préparation à l'entretien de recrutement, vous donner quelques clés pour ces deux sujets, sachant que l'idée, évidemment, c'est de mettre toutes les chances du côté du candidat au moment où il aborde ce processus de recrutement. Et je vais partager mon écran pour pouvoir vous faire ma présentation. Alors, je vous présente un petit peu la structure de la présentation et l'intervention. Je vais procéder en trois temps, commencer par quelques conseils, quelques clés pour le CV, pour rédiger un bon CV, sachant que de mon point de vue, c'est encore aujourd'hui l'outil phare du recruteur. Dans un second temps, je verrai avec vous comment réussir son entretien d'embauche et comment surtout bien le préparer pour l'aborder dans les meilleures conditions. Et enfin, je ferai un focus sur les spécificités de l'entretien à distance, qui est le mode d'entretien privilégié aujourd'hui, étant donné la situation sanitaire. Et ça sera donc la troisième partie de mon intervention. Pour ce qui est de quelques conseils concernant le CV, quelle bonne pratique adopter? Alors, ce qu'il faut savoir, je pense, c'est que quand il s'agit de CV, il s'agit, avant de se mettre à rédiger et à le structurer, d'essayer de se mettre dans les baskets, si je puis me permettre ce langage familier, de se mettre dans les baskets du recruteur. L'idée, c'est... Il y a deux idées quand on aborde le CV. La première idée, c'est de faire en sorte de faciliter la lecture et deuxièmement la compréhension du recruteur. Le CV, c'est un document informatif et c'est aussi un document qui doit servir l'image du candidat. À travers le CV, il s'agit aussi de renvoyer une image positive et professionnelle. Un bon CV, c'est un document informatif où le recruteur va trouver les informations dont il a besoin pour se faire une première idée de la compatibilité du candidat avec le poste qu'il a à pourvoir.
premier élément du CV, quand vous l'abordez, c'est ce que je vais appeler l'introduction du CV, l'introduction du candidat, de qui vous êtes. Et on va commencer par, on peut présenter ça sous forme de bloc, hein, la civilité, le nom, prénom et coordonnées du candidat, ce qui permet de l'identifier. Alors, j'insiste un tout petit peu sur les coordonnées. Il est important de mentionner l'adresse email et le numéro de téléphone, parce que sans ça, le recruteur ne peut pas contacter le candidat. Le processus de recrutement s'arrête là. Ça paraît assez basique, ça l'est, c'est vrai. Néanmoins, ça m'est arrivé de recevoir des CV sans coordonnées. Donc, il faut toujours y veiller. Après, sur la partie identification, toutes les informations concernant la date de naissance, l'adresse postale, la situation maritale du candidat sont des informations dont le recruteur n'a pas besoin à ce stade. Donc, ce ne sont pas du tout des informations obligatoires. On peut tout à fait s'en passer. En revanche, on appréciera que le CV comporte un titre dans cette partie introductive, hein, plutôt dans le haut du CV, un titre qui sera l'intitulé du poste auquel on postule, associé le cas échéant avec la référence du poste telle qu'elle a été mentionnée sur le site carrière où on a trouvé le poste ou sur un job board par exemple. On appréciera également, dans cette partie introductive, que le CV mentionne les dates de disponibilité. Le candidat, souvent les candidats ont des préavis, c'est particulièrement intéressant pour le recruteur, pour ce qui concerne les stages, les alternances et les CDD également. Pour les CDI, ça peut être très intéressant, évidemment, si un candidat met qu'il est disponible immédiatement, ça peut être un atout pour lui. Et enfin, pareil, hein, ce n'est pas forcément obligatoire, mais ça démontre un souci de bonne présentation. On appréciera qu'il y ait 2-3 lignes simples de présentation du candidat, du profil, grosso modo le fil rouge pour vous aider. De ligne très synthétique, c'est d'où je viens, où j'en ai, qu'est-ce que je souhaite faire demain. L'année d'expérience professionnelle, réussie dans tel domaine, et demain j'aimerais occuper un poste, tel type de poste. Donc ça, ce sont les 4 éléments, je dirais, indispensables quand on aborde le CV, les premiers éléments à mentionner quand on rédige son CV. Ensuite, on en vient, alors je suis toujours sur la partie, je ne l'ai pas précisé en amont, hein, je vais aborder le fond du CV et la forme dans un second temps. Pour ce qui est du fond du CV, il va avoir besoin de trouver, c'est une fois, un document, et l'auteur va chercher des informations tout à fait particulières. Il y a deux blocs dans ce slide. Je dirais que le premier, ce sont des informations absolument indispensables. Le deuxième, c'est des informations un petit peu plus accessoires, encore que, on y reviendra tout à l'heure. Les informations clés pour le recruteur, ce qui va être déterminant pour lui, c'est évidemment l'expérience professionnelle du candidat et le parcours académique. Pour ce qui est de l'expérience professionnelle du candidat, ce à quoi on s'intéresse, c'est à la présentation du parcours professionnel du candidat, dans un ordre antéchronologique. Ce qui arrive en premier dans le CV, c'est la toute dernière expérience, puis on décline. On a besoin de voir d'où vient le candidat, combien d'années d'expérience il a, sur quel type de poste, dans quel type d'entreprise, etc. Donc, il faut détailler un petit peu son parcours. Et puis, il faut indiquer aussi son parcours académique, c'est quoi ? C'est son diplôme, sa formation, dans quelle école on l'a obtenu et l'année d'obtention. Ça, c'est important, cette notion de temporalité. Hein. Donc, le CV, elle doit être partout. Alors après, on y viendra pour ce qui est de la forme du CV, la façon de présenter ces éléments, ces différents blocs. Peu importe que le parcours académique, vous le mettiez plutôt en bas du CV ou en haut, ou l'expérience professionnelle avant ou après. Ce qui est important, c'est que ce soit bien identifiable, que les différentes étapes soient identifiables.
Deuxième partie de mon slide, je parle des compétences qu'il est souhaitable d'indiquer dans son CV. Deux éléments. Les compétences techniques. Alors, les compétences techniques, outre celles qui vont émailler hein, le contenu de vos expériences professionnelles, c'est en plus les compétences techniques en matière d'outils bureautiques, de logiciels particuliers et, si possible, indiquer à côté le niveau de maîtrise. De la même façon pour les langues. Est-ce que c'est un niveau débutant? Est-ce que c'est un niveau expert? De la même façon pour les langues, et c'est toujours très intéressant de savoir si le candidat parle plusieurs langues, il s'agit aussi de préciser le niveau de maîtrise de la langue. Est-ce que c'est débutant? Est-ce que c'est intermédiaire? Est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est bilingue? Et on peut ajouter, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours appréciable parce que ça commence déjà là, avec ces éléments-là à personnaliser le CV, on peut indiquer ce qu'on considère comme étant ses principaux atouts en termes de compétences comportementales. Alors ça, c'est la terminologie française. On parle en anglais de soft skills. C'est ce qui constitue les éléments de savoir-être du candidat. Alors, il ne s'agit pas non plus évidemment de faire une liste à la Prévert. Il s'agit de sélectionner dans ses considère comme ses principaux points forts. Bon, à titre d'exemple, les compétences comportementales, le savoir-être, c'est quoi? Je vous donne des exemples, c'est l'autonomie, c'est la rigueur, la capacité d'organisation. Pour quelqu'un qui a un profil de commercial, c'est le sens commercial, l'orientation client, la capacité d'adaptation. Voilà, il existe beaucoup de types de compétences comportementales et c'est pas mal ouais, d'en sélectionner quelques-unes et de les mettre en avant dans le CV. Alors, j'aborde maintenant la forme et je vais commencer par les « don't », ce qu'il faut plutôt éviter de faire quand on prépare son CV, ce qu'il faut éviter d'utiliser. Premièrement, les couleurs criardes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un CV, parce que ça peut arriver, un CV rouge vif, orangé, c'est un peu agressif, ça n'incite pas forcément, ça ne rend pas forcément la lecture extrêmement plaisante. De la même façon, les CV multicolores, on utilise plein de couleurs, c'est un petit peu, ça ne facilite pas la lecture du CV, et puis ça noie un petit peu le fond avec la forme. Donc, les couleurs criardes, les éviter, choisir plutôt des couleurs sobres, le bleu, le noir, évidemment. Autre type de façon de faire son CV, que l'on déconseille fortement, c'est le CV dissertation, hein, le CV fleuve, où il n'y a pas de séparation, de paragraphe, d'aération, d'interlignage, où tout est... voilà, les CV, c'est aussi un exercice de synthèse. Il faut savoir sélectionner dans son parcours, dans ses compétences, dans tout ce qu'on a fait, réaliser l'essentiel, ce qui est vraiment important de porter à la connaissance du recruteur. Troisième point sur lequel il faut, à mon sens, être vigilant dans la forme du CV, c'est l'utilisation des polices de caractères différentes ou illisibles. Faire attention d'utiliser, d'abord d'être assez cohérent dans la façon d'utiliser les polices de caractères, donc on y reviendra sur les bonnes façons de faire. Et enfin, les photos qui prennent, alors là j'ai mis un quart, mais parfois ça peut être deux tiers du CV, voilà, c'est ça, c'est pas un portrait, la photo en plus, on y reviendra, c'est pas forcément obligatoire, puis ça peut nous interpeller, nous interroger sur potentiellement l'ego surdimensionné du candidat. Donc la photo, c'est un espace qui est dédié et qui doit rester discret. Là, je vous ai mis à titre d'exemple, et on pourrait en avoir beaucoup d'autres, des formats de CV qu'il faudrait éviter. Alors le deuxième, c'est pas tout à fait un format, j'y reviendrai. Le premier, il vient illustrer pour moi ce que j'ai appelé tout à l'heure le CV dissertation. C'est un CV qui n'est pas extrêmement soigné sur la forme, où le texte est sans point à la ligne, sans espace, sans interlignage ou peu. Pas non plus d'utilisation
des outils graphiques ou de bureautique pour essayer de le rendre un petit peu plus attractif. Donc, franchement, avec un CV comme ça, la lecture du recruteur, elle n'est pas très facilitée. Le deuxième exemple que j'ai mis, alors c'est pas tant que la forme du CV ne soit pas bonne ou intéressante, c'est juste la façon dont il est adressé qui pose question. En l'occurrence, c'est un candidat qui nous envoie une photo de son CV, et pas son CV directement, mais une photo de son CV. Donc là, c'est vraiment pas du tout se mettre à la portée du recruteur, puisque ce dernier, pour pouvoir avancer avec ce profil, va devoir sortir la loupe, agrandir pour arriver à décortiquer ce qui s'y trouve, ce qui peut être intéressant. Hein. Encore une fois, ça ne présage pas du tout du fond, mais sur la forme et la façon de s'adresser au recruteur, juste lui adresser une photo du CV, c'est quand même pas très recommandé. Et enfin, ça c'est le CV, le dernier, c'est un exemple de CV avec des couleurs un petit peu vives, un peu violentes et un peu agressives que je conseille plutôt de ne pas utiliser. Alors, à contrario, quelles sont les bonnes pratiques en matière de forme du CV? Moi, le meilleur conseil que je puisse donner, et surtout si on n'est pas forcément à l'aise avec les outils bureautiques, c'est de privilégier la sobriété et la simplicité. Voilà, un CV bien organisé, bien structuré et sobre sur la forme est un CV qui passe très bien. J'ai oublié de préciser que si jamais, encore une fois, on n'est pas très à l'aise avec les outils bureautiques, avec Word par exemple, il faut savoir que sur Internet existe beaucoup de modèles de CV, de modèles types dont on peut s'inspirer pour rédiger le sien. Le deuxième point que j'évoque ici, dans les choses plutôt à privilégier, c'est la longueur du CV. 2 pages, franchement, je considère que c'est un maximum, même si on est un profil expérimenté avec de nombreuses années d'expérience professionnelle. Encore une fois, ce qu'on apprécie dans la rédaction du CV, c'est aussi l'exercice de synthèse. Donc, il faut s'efforcer d'essayer de faire tenir son CV. Alors, idéalement, en 1 page, quand on a une longue expérience, pourquoi pas en 2 pages, mais vraiment pas plus. Après, je dois admettre, hein, tout simplement, que c'est un biais très franco-français, parce que je sais que dans nos pays voisins et notamment les pays anglo-saxons, souvent eux privilégient les CV très longs, hein, les CV dissertation dont je parlais précédemment. Nous, on va privilégier les CV qui démontrent un effort de synthèse. Alors, à contrario de ce que je disais précédemment également, vraiment faire un effort de cohérence dans l'utilisation des outils de mise en page, l'utilisation des outils que vous avez sur Word, par exemple. Qu'est-ce que j'entends par là pour être un petit peu plus concrète et précise? Dans la façon de présenter son CV, on l'a vu tout à l'heure, il y a surtout bien mettre en avant son expérience professionnelle, ses diverses expériences professionnelles, autrement dit, les divers postes qu'on a pu occuper au cours de sa carrière. Et à ce moment-là, si on décide à un moment donné de mettre l'intitulé de poste en gras, à côté le nom de l'entreprise et les dates auxquelles on a occupé hein, ce poste, l'entreprise et les dates en italique par exemple, ce qu'il faudra impérativement faire, c'est que ce format-là, cette mise en page-là, soit bien reproduite pour les expériences précédentes. C'est-à-dire le poste d'avant, bien faire en sorte de la même façon que l'intitulé de poste soit en gras et que le nom de l'entreprise et les dates auxquelles le poste a été occupé soient bien en italique également. Ça, ça crée de la cohérence, et la cohérence crée de la lisibilité. Enfin, je ne saurais trop recommander, dans la description des expériences professionnelles et des tâches qui ont été réalisées, des missions dont on a eu la responsabilité, de bien utiliser les puces pour lister ses principales missions. Ça a un effet extrêmement clair sur voilà, différentes tâches occupées, ça facilite la lecture également et ça permet d'organiser ses idées. Voilà les principales recommandations que je peux faire sur la forme du CV. Et donc, à suivre, un exemple,
Parmi plein d'autres, évidemment. Hein. Franchement, on reçoit énormément de CV tous les jours. Il n'y a pas un CV qui ressemble à l'autre. Il n'y a pas, voilà. Ce qui est important, encore une fois, c'est la clarté, c'est l'organisation. Donc, ce CV, je vous l'accorde, est un CV avec une présentation, somme toute, assez classique. Néanmoins, les critères essentiels, hein, l'organisation, elle est là. On a bien en tête du CV. Alors là, avec une photo, peu importe la photo, on y reviendra, une photo qui est discrète dans le coin droit, en haut à droite. Vous avez toutes les informations relatives à l'identification personnelle du candidat, nom, prénom, coordonnées. Vous avez l'exposition des différentes expériences professionnelles, le nom du poste, l'entreprise, la typologie du contrat également, CDI ou CDD. Les dates qui sont à droite, donc ça on aime bien parce que ça permet de voir combien de temps le candidat était en poste. Il y a une utilisation, comme vous le voyez, cohérente de la mise en forme. Hein. Si je vois bien, les entreprises sont en bleu, les postes sont en noir mais graissés. Il y a une utilisation des puces pour décrire les différentes expériences. La personne met en avant sa formation, sa maîtrise des langues et des outils informatiques. Et puis, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais effectivement, on peut tout à fait ajouter cette partie que vous voyez ici à la fin sur les centres d'intérêt, hein, ce qui personnalise un petit peu le profil du candidat. Alors, une fois qu'on. Voilà, ça, c'est encore une fois, c'est un exemple. Hein. Après, rien n'interdit, bien entendu, de vouloir être un petit peu plus original dans la forme de son CV et personne ne pourra en faire le reproche. Ce que je veux surtout passer comme message, c'est que pour le recruteur, ce qui va primer sur l'esthétique du CV, ça sera le fond. C'est vraiment les compétences, l'expérience et la formation. Donc, autant les présenter de façon agréable, aérée et structurée. Mais bien entendu, rien n'empêche d'être un petit peu original dans la façon dont on présente son CV. Ça peut bien entendu contribuer à attirer l'œil du recruteur. Ensuite, je vais aborder, voilà, la fameuse question de la photo sur le CV. Alors ça, c'est une question classique, c'est une question qu'on nous pose très régulièrement. Question à laquelle je réponds de la façon suivante. La photo n'est absolument pas nécessaire. La photo n'est absolument pas obligatoire. Un CV avec photo vaut un CV sans photo. Ça n'a aucune importance. À condition que, si le candidat décide d'en mettre une, elle respecte un certain nombre d'exigences, bien entendu. Donc, autrement dit, mieux vaut ne pas mettre de photo que mettre une mauvaise photo. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce qu'une mauvaise photo? En fait, une mauvaise photo, ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment. Encore une fois, c'est ce qui va renvoyer une image qui n'est une image ni de sérieux, ni de professionnalisme. Les photos qui ne font pas très sérieux, les photos qui renvoient une image un peu d'amateurisme, ce sont les selfies. Là, franchement, les selfies à éviter absolument. D'abord, le selfie, ce n'est pas très esthétique. Souvent, ça déforme un petit peu nos visages. Le selfie, ensuite, c'est souvent quelque chose qui se pratique dans la vie privée, avec les amis, avec la famille. Pas du tout lié au contexte professionnel. Franchement, le selfie, vaut mieux pas mettre de photo que de mettre un selfie. Là, vous avez sur le slide affiché un autre exemple de photo, qui est une photo avec une tenue et plus globalement une attitude très décontractée. Pareil, c'est une photo, voilà, c'est pareil, de la même façon, vaut mieux éviter, voilà, la tenue très décontractée, vaut mieux éviter les photos de candidats, de vous, dans un contexte de vacances, avec des lunettes de soleil. Alors, ça peut prêter à sourire, voire à rire, mais c'est des choses que l'on voit. Donc, c'est important de répéter qu'une bonne photo, c'est encore une fois une photo qui renvoie une image professionnelle. Donc, il faut avoir une tenue vestimentaire adéquate, classique. Franchement, le costume cravate, chemisier, veste pour les femmes, c'est ce qu'il y a de plus passe-partout et c'est une image de neutralité, de sobriété et de professionnalisme.
Et autre chose, pas seulement avoir une tenue vestimentaire adéquate, appropriée, professionnelle, mais sourire sur la photo. Ça veut dire aussi ne pas utiliser de photo d'identité, parce que malheureusement, sur la photo d'identité, on ne peut pas sourire. Il faut qu'on ait un visage extrêmement neutre sur la photo du CV. Autant sourire. L'idée, c'est encore une fois de renvoyer une image positive du candidat de vous. Donc, une photo professionnelle et avec une attitude souriante et avenante, c'est ce qu'il y a de mieux si vous décidez de mettre une photo, ce qui, encore une fois, n'est absolument pas obligatoire. Voici une autre question que l'on se pose et qu'on nous pose assez régulièrement, à savoir est-ce que la lettre de motivation a encore un rôle à jouer? C'est un peu comme la photo, la réponse à cette question. Oui, mais la lettre de motivation, de façon générale, ça, c'est quelque chose que le recruteur appréciera. Pourquoi? Ça démontre, c'est comme le CV, hein, la lettre de motivation, comme le CV, c'est un travail. Donc, c'est un investissement dont a fait preuve le candidat quand il a abordé le processus de recrutement. Donc, c'est plutôt un bon signe envoyé au recruteur d'investissement, d'engagement et d'intérêt pour le poste et pour l'entreprise. Je dis « mais » parce que pour qu'elle soit intéressante et pertinente, cette lettre de motivation, encore faut-il qu'elle réponde, là encore, à un certain nombre de prérequis et d'exigences. La lettre de motivation, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle soit personnalisée. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut qu'elle mentionne l'entreprise et qu'elle se réfère au poste. Ça vaut le coup de préciser ce point parce qu'il nous est arrivé de recevoir des lettres de motivation pour d'autres postes, mais pour d'autres entreprises. Car cette espèce de copier-coller d'une entreprise à l'autre, vaut mieux pas faire de lettre de motivation que de faire une lettre de motivation qui n'est pas personnalisée, qui ne s'adresse pas précisément à l'entreprise ni au poste auquel on souhaite postuler. Donc, elle est personnalisée parce qu'elle s'adresse à une entreprise précise pour un poste précis. Premier élément. Deuxième élément, même chose que pour le CV, la forme. La lettre de motivation, pour qu'elle soit intéressante et valable, il faut qu'elle soit structurée, organisée, lisible, donc bien présentée. Aéré, avec des paragraphes, avec une mise en forme cohérente, etc. Tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure pour le CV, c'est valable pour la lettre de motivation. Et enfin, je ne saurais trop insister sur l'importance d'une orthographe soignée. Il faut être vraiment vigilant là-dessus parce qu'autant on peut avoir fait l'effort d'une lettre de motivation, autant si le recruteur trouve des fautes d'orthographe et des coquilles toutes les deux lignes, il ne va pas avoir finalement une bonne image du candidat qui pourtant aura fait l'effort d'envoyer sa lettre de motivation. Donc pour ça, ce n'est pas très compliqué. Hein. Si on n'est pas très expert en orthographe, eh bien, il faut faire relire son document par un tiers, hein, par un proche, par un membre de la famille, un ami ou quelqu'un, un recruteur que l'on connaît éventuellement dans son entourage. Donc, voilà. C'est important de faire relire. Donc, la lettre de motivation, oui, c'est intéressant, c'est un bon signal envoyé par le candidat au recruteur, à condition qu'elle respecte un certain nombre d'éléments que je vous ai présentés ici. Donc, arrivé à ce stade de la présentation, j'ai évoqué les points essentiels concernant le CV, concernant la fameuse question sur la photo et la lettre de motivation. Et je vous propose qu'on aborde maintenant l'entretien de recrutement. Comment réussir son entretien d'embauche? L'élément clé pour réussir un entretien de recrutement, je ne peux qu'insister sur ce point, c'est le temps de préparation et la qualité de la préparation qu'on va y consacrer. En fait, un processus de recrutement, quel qu'il soit, c'est un travail. Ça demande de la concentration, de l'énergie et de la réflexion. Pour le CV, pour la lettre de motivation, ainsi que pour l'entretien de recrutement. Et j'ai même envie de dire que le plus exigeant des trois, c'est probablement l'entretien de recrutement. Comment se préparer à l'entretien de recrutement? Alors, je vous ai indiqué sur ce slide trois éléments qui me semblent absolument essentiels.
Le premier, c'est ce que j'appelle ici la prise de recul. En fait, la préparation d'entretien de recrutement, ça nécessite de faire un travail d'introspection, de réfléchir sur soi, de faire un bilan, de se poser et éventuellement de rédiger, de prendre des notes pour arriver à mettre noir sur blanc l'ensemble de ses idées. Et de se poser, en fait, pour faire ce travail d'introspection, il faut se poser beaucoup, beaucoup de questions, un maximum de questions. À quoi ça sert de faire tout ça? En fait, ça sert à anticiper des questions probablement qui seront posées dans le cadre de l'entretien par le recruteur. Essayer de les préparer au maximum. Et une fois qu'on est préparé à ces questions, donc qu'on a réfléchi à ces réponses, qu'on les maîtrise, on est beaucoup moins pris au dépourvu pendant l'entretien de recrutement. Et donc, on est beaucoup plus fluide dans sa communication, on est beaucoup plus à l'aise et donc probablement, on a beaucoup plus d'impact. C'est les questions que j'invite toujours à se poser en amont de l'entretien. C'est, je réfléchis à ma carrière professionnelle jusqu'à présent. Quelles ont été mes réussites? Quels ont été mes échecs? Comment je les ai surmontés, ces échecs? Quels sont mes facteurs de motivation au quotidien? C'est-à-dire, quand je vais au travail le matin, qu'est-ce qui fait que je suis heureux d'y aller, content d'y aller? Ça peut être ma relation avec mon supérieur hiérarchique, ça peut être de voir les membres de mon équipe, ça peut être de travailler avec des interlocuteurs très différents, ça peut être d'aller dans un lieu que je trouve très plaisant. Ça peut être tout ça à la fois et peut-être avec un ordre de priorité. C'est important de se poser ces questions sur qu'est-ce qui fait qu'on est content d'aller travailler, qu'est-ce qui fait qu'on est bien en travail. Et à contrario, qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas être bien dans un environnement? Ça permet de bien se connaître. Avec quel type de personnalité on a plus de mal à travailler? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quel est le manager idéal pour nous? C'est autant de questions qui vont permettre de bien se connaître. Et enfin, les aspirations. C'est un peu ce que je disais précédemment. Là, voilà mon parcours, voilà d'où je viens, voilà tout ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime moins faire? Dans quoi je suis opérationnelle? Dans quoi je suis un peu moins bon? Et qu'est-ce que je veux faire demain? Donc, sur quelles compétences j'ai envie de progresser? Quel poste je vise, en définitive? Et une fois qu'on a mis tout ça à plat, bien faire le lien avec le poste. C'est-à-dire, si dans le poste, il y a certaines missions sur lesquelles que j'ai identifiées dans mon parcours, sur lesquelles j'ai été très performant, ben c'est autant d'éléments que je pourrais citer en exemple, en rapport avec le type de compétences qui est demandé dans le descriptif de poste. Donc, il faut après faire tout ce travail de mise en rapport de soi, son bagage professionnel et le descriptif de poste. Donc, il y a tout un travail de connexion et d'analyse à faire entre les deux. Ça, c'est absolument essentiel. La préparation d'entretien aussi, c'est la préparation à l'exercice en lui-même, qui est un exercice de prise de parole, un exercice d'échange, un exercice d'oral. Se préparer, pour moi, c'est aussi s'entraîner. Ça veut dire demander le concours, d'un tiers, d'un membre de sa famille, d'un collègue, de quelqu'un qui en a confiance, d'un ami, pour demander son regard critique sur la façon dont on expose son parcours. Important, savoir être synthétique, donc bien encore une fois préparer ce que l'on souhaite dire sur chaque expérience professionnelle, d'une part, et d'autre part, bien les articuler les unes après les autres. Vous savez, c'est très important dans un exposé, et l'entretien, hein, c'est un exposé, et c'est que ça commence par ça, par un exposé sous parcours professionnel, de bien soigner les transitions entre chaque expérience professionnelle. Ça veut dire quoi? À tel moment de ma carrière, pourquoi j'ai quitté ce poste? Qu'est-ce qui a fait que je l'ai quitté, que j'ai eu envie de voir ailleurs? Et qu'est-ce que je cherchais à ce moment-là? Et comment, du coup, je suis arrivée au poste suivant? Donc, ces articulations-là, elles vous permettent, quand on les maîtrise bien, quand vous les avez bien identifiées et travaillées, de bien maîtriser l'exposé du parcours professionnel. Et après, il faut s'entraîner un petit peu à l'oral, voilà, pour pas trop chercher ses mots, être à l'aise, vérifier qu'on maîtrise bien son discours, etc. Et du coup, quand on a fait déjà ces deux éléments-là, on aborde l'entretien beaucoup plus serein. On est en maîtrise de son discours et de ce que l'on veut dire. On a réfléchi aux réponses que l'on va apporter au recruteur. Troisième élément clé
honnêtement qui peut faire la différence, donc c'est important aussi, c'est de ne pas arriver, que le candidat n'arrive pas en entretien, je dirais un peu familièrement, les mains dans les poches. Ça arrive, que le candidat arrive et qu'il n'est pas du tout préparé. Il a lu la fiche de poste en diagonale. Il n'a aucune idée de l'activité de l'entreprise. C'est vraiment pas un bon signe renvoyé au recruteur. Encore une fois, hein, important de renvoyer une image positive et une image de professionnalisme. Et donc, il est important de se montrer curieux, d'avoir bien lu et relu le descriptif de poste et de s'être un petit peu renseigné sur l'entreprise. D'autant qu'aujourd'hui, franchement, ce n'est pas très compliqué d'aller sur le site de l'entreprise, d'aller chercher quelques éléments d'information. Je ne sais pas, ça peut être son chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs, ses implantations géographiques et son actualité, hein, qu'on peut trouver soit dans les pages d'accueil, soit dans les communiqués de presse qui sont diffusés pour savoir un petit peu sur quelle est son actualité, sur quel projet elle est occupée actuellement. Donc voilà ce que je peux dire pour aborder sereinement, dans les meilleures conditions possibles, l'entretien de recrutement. Vraiment prendre du temps sur ces trois aspects. Pendant l'entretien maintenant, on arrive donc au fameux jour J. Quels sont les bons conseils qu'on peut donner aux candidats? C'est des choses qu'on a déjà vues, mais qui sont aussi pertinentes pour l'entretien de recrutement. On l'a vu, parce que là, on parle de la tenue professionnelle et adéquate. On l'a mentionné au moment où on a abordé la fameuse question de la photo sur le CV. C'est la même chose. En entretien de recrutement, quand on se présente dans l'entreprise et au recruteur, on essaye de se mettre sous son meilleur jour et donc, encore une fois, de renvoyer une image professionnelle et de sérieux. Donc, avoir une tenue professionnelle adéquate, c'est-à-dire voilà, pas arriver en jean basket. Alors, encore que je vais nuancer évidemment un petit peu mon propos, ça va dépendre du recruteur. Quand je dis du recruteur, je veux parler de l'employeur, de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Vous imaginez bien qu'une entreprise comme la mienne, voilà, c'est une entreprise avec des codes, c'est une entreprise qui tient un certain standing et assez classique dans ses façons d'être. Et voilà, on appréciera qu'un candidat vienne en costume. Alors, la cravate, aujourd'hui, on pourrait épiloguer pendant des heures, ce n'est pas absolument indispensable, mais en chemise et veste, pareil pour les jeunes femmes. Après, voilà, je suis tout à fait… il faut être absolument clair sur ces sujets-là. Quand on est un jeune diplômé et qu'on aspire qu'à une chose, c'est intégrer une start-up, probablement qu'un recruteur d'une start-up aura un discours tout à fait différent du mien, bien entendu. Encore une fois, ce qui comptera, c'est d'être avec une tenue adéquate. Se tenir droit, donc là, c'est la posture, vraiment, alors je grossis un peu le trait là, à dessin, c'est la posture physique. C'est vraiment être… ancré dans le sol, avoir les mains bien à plat, être ouvert dans sa façon d'aborder le recruteur et l'entretien. Voilà, les gens qui sont un petit peu recourbés sur eux-mêmes, en retrait, ça peut interpeller le recruteur dans un sens pas positif pour le candidat. Vraiment être un minimum sûr de soi par la posture physique. Le sourire, une évidence, mais ça va mieux en le disant, indispensable, et le fameux, alors en anglais on parle de eye contact, hein, regarder son interlocuteur, hein, pas avoir le regard dans ses mains comme ça ou un peu alentour distrait, voilà, il faut être engagé hein, dans l'échange avec le recruteur, c'est vraiment un entretien, c'est avant tout un échange. Sur ce sujet-là, justement, de l'engagement dans l'échange, l'engagement, j'entends engagement, je veux dire aussi l'intérêt que l'on manifeste. Un candidat qui ne manifeste pas son intérêt pour le poste et pour l'entreprise, ce n'est pas un candidat qu'on a envie de recruter. Un candidat qui, au contraire, au cours de l'entretien, démontre son intérêt, il y a plusieurs façons pour le recruteur de s'en rendre compte, c'est forcément un candidat qui met toutes les chances de son côté. Il est tout à fait de bon ton de prendre des notes pendant l'entretien, donc de sortir son petit calepin et son crayon, et de prendre des notes sur les informations que transmet le recruteur. De faire preuve d'écoute. Alors, quand je dis faire preuve d'écoute,
Vous savez, hein, l'entretien, encore une fois, c'est un échange, c'est une interaction avec quelqu'un et tout simplement, il faut avoir des règles de bienséance, de savoir-être, de courtoisie, faire preuve d'écoute, c'est ce que j'entends par là, ne pas interrompre son interlocuteur et bien entendu, ça vaut pour le recruteur, ça vaut pour le candidat. Un candidat intéressé, c'est souvent alors un candidat qui posera des questions, là je vais revenir, et un candidat qui n'hésitera pas non plus à reformuler les questions que lui a posées le recruteur pour s'assurer de sa bonne compréhension. Les questions, moi je vous invite plutôt à les garder pour la fin de l'entretien. Normalement, tout bon recruteur, une fois qu'il a obtenu du candidat les informations dont il a besoin, à l'issue de l'échange, de l'entretien, doit poser la question, doit demander au candidat, est-ce que vous avez des questions? Normalement, dans tout entretien, il y a un temps accordé au candidat pour qu'il puisse poser des questions, se faire repréciser éventuellement des éléments qu'il n'a pas bien compris de la part du recruteur. Et puis, je précise aussi, parce que je trouve que on ne le dit pas assez, qu'il faut accepter les silences. Le silence de la part d'un recruteur n'a pas du tout pour objectif de mettre mal à l'aise le candidat. Le recruteur, il absorbe au cours de l'échange, hein, soit c'est une demi-heure, soit c'est une heure de temps, beaucoup d'informations. Normalement, il prend des notes, soit sur son ordinateur, soit sur son cahier. Il faut qu'il réfléchisse à est-ce que j'ai bien compris. Lui aussi, il faut qu'il s'assure de bien avoir compris ce qu'a dit le candidat. Il faut qu'il pense à ne pas oublier, à lui poser la question sur tel sujet qui a été abordé un peu avant, mais il n'a pas interrompu le candidat, il veut y revenir. Donc, il a besoin parfois de temps de silence pour se reconcentrer. Le candidat peut en avoir besoin également. Le silence, ça fait partie de l'échange. Il ne faut pas le redouter du tout, c'est très important. C'est des respirations. Alors, franchement, la situation sanitaire aujourd'hui nous invite spécifiquement à faire un focus sur l'entretien à distance. C'est vraiment devenu, croyez-en mon expérience actuellement, la norme, la façon de faire. Dans mon entreprise, on fait aujourd'hui tous nos entretiens de recrutement à distance avec les moyens technologiques actuels, les visio via Teams, via Zoom, etc. Il y a plein d'outils pour réaliser ça. Pourquoi ça vaut le coup de s'y arrêter un petit peu? Parce que ça peut être un petit peu plus périlleux finalement que l'entretien en présentiel, l'entretien à distance. Et je vais attirer votre attention sur quatre points principaux. Qui sont des points aussi qui sont valables pour l'entretien en présentiel? Quand je parle de la disponibilité, alors je vais voir quelles sont les spécificités de l'entretien à distance, mais il y a aussi la ponctualité. Hein. Bien entendu, la ponctualité, c'est clé. C'est pour tout rendez-vous, quel qu'il soit. Hein, c'est un rendez-vous médical, un rendez-vous avec un recruteur, c'est ou un rendez-vous professionnel. La ponctualité en présentiel ou en distanciel, c'est essentiel. La disponibilité aussi, c'est particulièrement important dans le cadre de l'entretien à distance. Il faut vraiment faire en sorte que le moment choisi pour ce rendez-vous avec le recruteur soit un moment où on soit tout à fait disponible. Où on sait qu'on ne va pas être interrompu par le livreur de colis en plein entretien. Il vaut mieux dire au recruteur « Je suis désolée, ce jour-là, à cette heure-là, ça ne me convient pas, j'ai une réunion, je risque d'être livré, peu importe la raison, et de reprogrammer à un moment qui est, vous êtes sûr que vous êtes complètement disponible pour l'échange. La disponibilité aussi, c'est faire en sorte de s'isoler hein, quand on est chez soi pour mener les entretiens de recrutement, hein, peu importe la pièce, mais voilà, ne pas être dérangé par les autres occupants de l'habitat. Donc vraiment s'isoler dans une pièce, on est concentré pendant une demi-heure ou une heure. Et le cadre, voilà, au calme, pas de bruit parasite, bien éteindre, ça vaut pour le présentiel, bien éteindre son téléphone portable. Pour ce qui est de l'écran, ajouter un fond neutre. Hein, c'est comme la photo sur le CV, renvoyer une image professionnelle. Ça vaut pour l'entretien à distance comme pour l'entretien en présentiel. Et de la même façon que pour l'entretien présentiel, bien entendu,
avoir une tenue appropriée. Ce n'est pas parce qu'on est chez soi qu'il faut être en pyjama. Alors, je grossis le trait, ça peut prêter à sourire ça aussi, mais c'est des situations que nous avons rencontrées, hein, des candidats qui se connectaient et on sentait bien que c'était au saut du lit. Il faut éviter et avoir pris le temps d'enfiler une chemise et une veste avant, même si on a des pantoufles ou des baskets aux pieds. Hein. Ce qui compte, c'est ce que voit le recruteur de vous. Et ajouter un fond neutre, donc éviter la plage avec les palmiers derrière. Les deux autres éléments auxquels il faut faire attention dans un contexte d'entretien à distance, c'est le matériel, évidemment. Alors, la technologie, c'est bien, mais ça peut nous jouer des tours. Donc, faire attention qu'on ait bien son chargeur, s'il n'est pas branché bien à portée de main pour ne pas qu'on se retrouve avec une connexion coupée en plein entretien. Avoir ses supports à portée de main également, son CV notamment pour pouvoir s'y référer, et la fiche de poste pour pouvoir s'y référer au cours de l'entretien si on a besoin. Voilà, que la technologie nous serve et qu'elle ne nous prenne pas dans ses filets autant que faire se peut. Et puis surtout, ces éléments-là, ça ne veut pas dire que l'entretien est raté, hein, mais ça peut perturber. Donc, autant être à l'aise le plus possible dans cet exercice, qui est un exercice qui n'est pas toujours évident. Et enfin, je ne saurais trop insister sur ce point-là de la concentration accrue. Pardon. L'entretien à distance, c'est très exigeant. Ça demande encore plus de concentration, je pense, que l'entretien en présentiel. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent, hein, quand on fait un entretien à distance, quand on est candidat, on est, et recruteur hein, d'ailleurs, on est dans un environnement personnel et à son corps défendant, on peut avoir tendance à relâcher un petit peu la concentration. Donc, avoir un regard qui est un peu plus fuyant, un peu plus distrait, avoir des gestes et des attitudes qui ne sont pas appropriés, mais on ne s'en rend plus compte parce qu'on est tellement en visio et tellement devant son ordinateur toute la journée qu'on perd un petit peu la concentration et la tenue sur ces aspects-là. Je vous donne un exemple. Combien de fois j'ai vu des candidats qui commençaient à me répondre, mais sans plus me regarder, à tourner la tête à droite, à gauche, à regarder leurs ongles et leurs mains, à tripoter des post-it qui traînaient par là. Donc, vraiment essayer d'éviter tout ce qui peut être parasite et redoubler d'efforts dans la concentration et dans l'engagement, l'échange qu'on a avec le recruteur. Écoutez, ce faisant, j'arrive au terme de cette présentation. J'espère évidemment avoir répondu le plus possible à vos attentes. Ce que je voudrais dire quand même pour terminer, c'est que voilà, ces éléments me paraissent très importants parce que même si on n'est pas retenu sur un poste, pour des tas de raisons, évidemment. Il y a plein de motifs de déclin d'une candidature. Les compétences techniques ne sont pas là, le niveau d'expérience n'est pas là, le niveau de compétences n'est pas là. Et il y a plein de raisons. Il y a plusieurs candidats sur un poste. Donc, il y a quelqu'un qui a été meilleur que soi. Ça peut arriver, évidemment. Hein, c'est le jeu du recrutement. Ce que je tiens à dire, c'est que si on a fait tout ce travail en amont, ce n'est pas un travail perdu. On peut ne pas obtenir le poste et avoir réussi son entretien. Et quelqu'un qui a réussi son entretien, c'est quelqu'un dont le recruteur se souviendra. Le travail du recruteur, c'est aussi de savoir faire des connexions. Donc, le profil pourra ne pas correspondre au poste, mais si le candidat s'est bien présenté, a manifesté son intérêt, sa motivation, etc., il a fait une grosse partie du chemin et leur a laissé un souvenir et une image positive dans l'esprit du recruteur. Et le recruteur saura s'en souvenir. Donc voilà, je veux dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un poste qu'on n'a pas réussi son entretien et que tout ce travail est important. Je trouvais que c'était essentiel de terminer sur cette précision. Et je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Eh bien, merci Camille pour cette présentation et ces rappels hein, très opérationnels et concrets et cette note d'optimisme à la fin. Alors,
Oui, vous pouvez mettre fin au partage d'écran. Vous avez répondu à beaucoup de choses. Donc, il y a des questions qui ont été posées durant la présentation. Vous avez apporté des réponses directement et ça a généré encore une dizaine de réponses, de questions, pardon, supplémentaires. Alors, on va essayer d'aller un peu vite, mais il y a les questions de forme et les questions de fond. Bien sûr. Sur la forme, d'abord, une toute première question, vous l'avez abordée, mais est-ce que de fournir uniquement une adresse email en coordonnées pose problème? Est-ce que, comment vous vivez le fait qu'il n'y ait pas d'indication géographique ou même de téléphone? Qu'est-ce que ça peut cacher pour vous? Ça cache pas forcément quelque chose, mais franchement, le plus important pour moi, c'est le numéro de téléphone. Il faut qu'on puisse échanger de vive voix avec le candidat. On peut faire par email, mais on va écrire au candidat par email, mais on va lui demander de nous transmettre son numéro de téléphone pour pouvoir l'appeler. Il faut qu'il y ait un échange oral avec le candidat. Nous, souvent, dans mon entreprise, ce qu'on fait avant de caler un entretien avec un candidat, hein, c'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle une préqualification téléphonique. On appelle le candidat et on commence à échanger une petite dizaine de minutes avec lui pour comprendre ses aspirations, pour préciser un certain nombre de points, valider son expérience, la géographie peut-être à ce moment-là, sa disponibilité, etc., etc. Le téléphone, à un moment donné, il faut qu'on l'ait. Donc, il faut l'indiquer. Donc plutôt le téléphone que l'email. Merci. Quel encart privilégier? Alors vous savez qu'il y a plusieurs pratiques. Est-ce qu'il faut remonter les compétences en premier, le savoir-faire, le projet? Alors ça dépend forcément de la façon dont est structuré le CV, mais pour vous, est-ce qu'il y a un bloc qui serait à privilégier systématiquement? Ce qui est le plus important, le majeur, hein, les deux éléments majeurs du CV, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment le contenu des expériences, les expériences professionnelles, et le contenu des missions et la formation. Donc, c'est ces deux éléments qui doivent être les plus importants, hein, qui prennent concrètement le plus d'espace dans le CV et qui doivent être le plus mis en valeur. Les compétences, souvent, les candidats, des CV avec des blocs sur la gauche, sur la droite du CV qui reprennent les compétences, la maîtrise des outils informatiques et des langues, c'est tout à fait faisable. Voilà, ce qui est important, ce qui doit prendre le plus de place, et après, on fait comme on a envie, hein, la formation avant ou l'expérience professionnelle, peu importe, c'est vraiment, ce sont ces deux éléments. Très bien. Alors, faut-il adapter son CV? Alors, la question, c'est plutôt comment fait-on un CV lorsqu'on est soit très jeune avec très peu d'expérience, soit senior avec beaucoup d'expérience. Est-ce qu'en fait, il y a trois catégories de CV en fonction de l'expérience comment peut-on faire un bon CV lorsqu'il y a soit trop d'infos, soit peu? Alors, si on commence par les jeunes qui entrent sur le marché du travail et qui ont peu d'expérience professionnelle à faire valoir, et c'est tout à fait absolument normal, évidemment, je pense que pour eux, on peut un petit peu détailler le contenu de la formation. Si on a fait un mémoire, si on a fait un stage, une période à l'étranger, c'est des choses qu'on peut un petit ou même le type de matière que l'on a eu à étudier. On peut se permettre du coup d'insister un petit peu plus sur le contenu de la formation. Pour les personnes qui ont des profils expérimentés, encore une fois, voilà, tolérance sans problème pour deux pages, hein, de CV. Il faut essayer voilà, de pas en faire plus. Pour les personnes qui sont les plus expérimentées, qui ont de nombreuses années d'expérience professionnelle, moi, ce que je recommanderais, franchement, c'est de faire un peu l'impasse sur les toutes premières années d'expérience professionnelle. Le CDD qui a duré 5 mois il y a 15-20 ans, bon, à un moment, c'est pas ça qui peut être. Pas privilégier l'exhaustivité, privilégier les dernières expériences professionnelles ou les expériences professionnelles qui ont le plus de sens par rapport au poste. Très bien. Lettre de motivation, alors qui pose toujours beaucoup de problèmes à tout le monde, et on finira peut-être là pour la partie forme pure. Question, donc qu'est-ce qui, alors je sais pas si vous l'avez abordé directement, mais est-ce qu'on peut faire une lettre dactylographiée, manuscrite? Est-ce qu'on peut intégrer dans le corps de l'email la lettre de motivation? Donc là, sur la question manuscrite dactylographiée, est-ce que vous avez une pratique vous particulière chez BNP Paribas Estate? Oui.
Oui, ça sera plutôt dactylographié. Manuscrite, vous savez, il y a quelques bon moment maintenant, quelques années maintenant, il y avait, j'ai complètement le mot m'échappe là au moment de répondre, mais il y avait des études de graphologie, je crois, hein, pour C'est ça le essayer en graphologue. fonction de l'écriture du candidat d'en faire des déductions sur sa personnalité. À mon sens, c'est complètement terminé ce type de pratique. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et donc, on privilégiera la lettre dactylographiée, d'autant plus que manuscrit, on peut avoir un peu des difficultés à lire de temps en temps. On n'a pas tous une écriture hyper lisible. Donc, franchement, dactylographié, c'est clair et précis et beaucoup plus simple à mon sens. Du coup, bon, ce qui est sous-tendu dans la question, c'est puisqu'on a fait si on fait un mail d'accompagnement, j'imagine qu'on a fait un effort, on a mis beaucoup d'éléments dans le mail d'accompagnement. Est-ce que, en fait, ça peut être la reproduction de la lettre de motivation? Est-ce qu'en fait, il y a trois documents, c'est le mail d'accompagnement, la lettre de motivation et le CV. Est-ce qu'on Oh, peut le mail, le mail peut être la lettre de motivation. Hein. Le mail peut être la lettre de motivation. Je m'adresse à vous pour vous présenter ma candidature avec le CV en pièce jointe. Si le mail est juste, vous trouverez mon CV en pièce jointe ainsi que ma lettre de motivation parce que je m'intéresse au poste, à tel poste et signature, on ne pourra pas considérer que c'est une lettre de motivation. Effectivement, ça vaut le coup qu'il y ait une pièce jointe. Mais le corps du mail peut être la lettre de motivation, bien entendu. Bien, beaucoup de questions sur les trous dans le CV. Alors, première approche, comment voyez-vous les années sabbatiques, les 1 an, deux Ben, ans si, on, sans expérience? si les trous, les années sans expérience sont expliquées, oui, concrètement, le recruteur va demander qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être j'ai fait une année sabbatique, ça peut être je suis partie faire le tour du monde, ça peut être je me suis occupée de mes enfants pendant 2 ou 3 ans. Pas de problème. Le recruteur posera probablement la question et il s'agit de répondre tout à fait simplement et honnêtement et de façon transparente. Pas plus un frein que ça d'avoir fait une Non. césure, une coupure Ah dans non? ses. Non, bien sûr que non. Très bien. Alors, est-ce qu'une expérience entrepreneuriale enrichissante, mais qui n'a pas abouti, donne une mauvaise image du candidat? Autrement dit, est-ce qu'il vaut mieux tenter quelque chose quitte à échouer ou plutôt rester sur des parcours assez conventionnels, voire masquer cet échec? Comment vous voyez ces. Oh, non, franchement, encore une fois, vraiment, je pense que un des maîtres mots, c'est la transparence. Donc, quand on sait expliquer, on peut tenter hein, une expérience entrepreneuriale, ça peut démontrer un certain courage, une capacité de travail, parce que c'est très exigeant de monter une entreprise. On peut réussir, on peut ne pas réussir. Enfin, quelque chose qui n'a pas réussi, c'est quand même un échec. De toute façon, c'est plein de leçons et d'enseignements. Si on est capable de montrer qu'on en a tiré des leçons et qu'on s'est dit, bah, finalement, je me suis dit qu'il valait mieux que je rebifurque vers telle ou telle orientation. À partir du moment où c'est réfléchi, assumé et encore une fois transparent, enfin, rien n'est un problème. Rien n'est un problème. Et c'est certainement pas en défaveur du candidat. On a le droit de faire une pause, de tenter autre chose. Enfin, et puis, j'ai envie de dire, c'est quand même de plus en plus les parcours que l'on voit actuellement. Ce qui me dérange le plus, hein, c'est de ne pas comprendre peut-être la logique d'un parcours ou de sentir que quelque chose est caché. Ouais, c'est ce qui Exactement. est. Exactement. Alors, autre question, quelle est la part de recrutement entre les candidatures spontanées, les candidatures reçues via des job boards ou des forums et LinkedIn? Alors, beaucoup de questions sur LinkedIn, mais est-ce que par exemple dans votre entreprise, vous repérez des profils sur LinkedIn Bien sûr. Et par rapport aux candidatures spontanées, il y aura une autre question annexe, c'est est-ce qu'elles sont utiles en fait et comment les jugez-vous? Alors, si je commence par les candidatures spontanées, en vérité, on n'en reçoit pas tant que ça. Moi, dans ma pratique depuis 5 ans maintenant, je dois dire que je n'en reçois pas souvent. Mais quand on en reçoit, on les regarde et on les étudie. Et on les met en rapport avec un poste.
si on considère que la candidature est pertinente à ce moment-là. Si elle ne l'est pas, mais que le CV nous semble intéressant, on va le mettre, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de recruteur, en vivier. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un CV qu'on pourra aller chercher au moment où on a une opportunité. Et le travail du recruteur, c'est, encore une fois, je vous ai dit, hein, c'est de faire des connexions, c'est d'avoir une bonne mémoire et de se souvenir. Et un bon CV, c'est souvent un CV dont on se souvient. Moi, je n'ai pas beaucoup de candidatures spontanées, mais quand j'en ai, elles sont étudiées. Hein. On ouvre tous les CV. Ce qui est très important, ce qui nous arrive beaucoup, nous, c'est que nous, on diffuse nos postes sur notre site Internet et sur un certain nombre de job boards et automatiquement sur LinkedIn. Donc oui, beaucoup de nos postes qui génèrent des candidatures via LinkedIn. Je dirais même, mais 90% de nos postes aujourd'hui diffusés sur les job boards en externe, hein, parce qu'on a d'autres. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on pourvoit les postes, hein, mais c'est les sources de nos candidatures. LinkedIn, oui, c'est évidemment très, très important. Du coup, vous avez répondu à la question suivante. Est-il pertinent de contacter le recruteur si on arrive à l'identifier sur LinkedIn ? Notamment, en plus d'une candidature sur votre espace recruteur, par exemple. Est-ce que c'est mal perçu ? Est-ce que c'est un peu intrusif ? Moi, je n'aime pas trop. Je suis honnête avec vous. Je trouve ça un petit peu trop. Ou peut-être ne pas le faire les deux dans la foulée. Peut-être attendre un petit peu, candidater en premier. Et si le temps est un peu long, ne pas hésiter à ce moment-là, quelques jours après, via LinkedIn, si on a identifié le recruteur, oui, à demander si… voilà, ce que je trouverais un peu too much, un peu trop, c'est les deux en même temps, mais quelques temps après, pourquoi pas. Et par exemple, un manager, il faudrait vraiment l'identifier, mais pas forcément le recruteur, mais un membre de votre entreprise dont on pense qu'il sera le manager, ça c'est une approche indirecte qui peut compléter une candidature. Il vaut mieux laisser passer le cycle de candidature. Si, c'est complètement. Si, faut aussi faire feu de tout bois. Hein. Donc, faut y aller hein, quand on a une démarche. Faut être actif. Donc oui, moi je vois pas d'inconvénient. Vous avez abordé les candidatures en visio. Des entreprises demandent des vidéos, donc c'est un peu différent, à la place de la lettre de motivation. Alors, est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui va augmenter dans vos métiers ? Et la dernière question, c'était quelles sont les règles à respecter ? Alors, si vous n'avez pas cette expérience-là, vous n'êtes pas de personne. Écoutez, alors là, franchement, ce n'est pas une pratique dans mon entreprise. Ça l'est peut-être dans certaines filiales du groupe BNP Paribas. Je sais que ça existe, je sais que ça se pratique. Je n'ai pas l'impression, je n'ai pas le sentiment d'une flambée hein, sur ce sujet, que ça devienne la façon de candidater aujourd'hui. Voilà ce que je peux en dire. Je pense que ces derniers temps, en fait, ce qui a beaucoup occupé le gros changement dans l'écosystème du recrutement actuellement, c'est vraiment la visio qui a été apportée, hein, qui a été poussée évidemment par la crise sanitaire. Les vidéos, franchement, c'est pas. Moi, j'en aurais pas besoin. J'ai besoin de l'échange. J'ai besoin de l'interaction avec le candidat. Pour moi, il n'y a rien de plus important. Autre question, regardez-vous le profil LinkedIn ou de façon générale, observez-vous les traces numériques laissées par les candidats après avoir reçu une candidature ? Est-ce que vous googlez les candidats, vous recherchez un peu ce qu'ils ont fait ou comment ils se positionnent ? Non. Je sais que ça se fait, hein, je sais que ça existe, je ne fais pas ça, je ne pratique pas. Alors LinkedIn, attention, LinkedIn c'est un peu à part. LinkedIn, ça serait plutôt dans l'autre sens. On va commencer. En fait, c'est quand on fait de la chasse, c'est-à-dire quand on va chercher des profils, on va aller regarder, chercher des profils sur LinkedIn. Puis, de toute façon, au bout d'un moment, on va demander au candidat sur LinkedIn avec qui on interagit, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre CV ? C'est-à-dire que le profil LinkedIn, c'est très bien, c'est un premier abord.
Mais en général, on va avoir besoin du CV. Je dis ça parce que, alors, il y a des profils LinkedIn qui sont hyper complets, qui sont le copier-coller du CV. À ce moment-là, c'est kiff-kiff, hein, ça se vaut. Mais il y a des profils LinkedIn, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus court. Et le CV sera beaucoup plus complet, nourri. C'est souvent le complément. Mais on commence par LinkedIn et on va aller chercher le CV. Okay. Une question qui est revenue plusieurs fois. Alors, les candidats ont du mal à répondre, donc on vous demande conseil. Comment répondre à la question « Comment vous voyez-vous dans 5 à 10 ans ?» Alors, j'imagine que sous la question, il y a peut-être le risque d'apparaître comme ambitieux, trop ambitieux, si on s'imagine monter les échelons rapidement dans l'entreprise. Et à l'inverse, si on n'imagine pas ça, ça veut dire qu'on n'est pas impliqué peut-être dans l'entreprise et qu'on n'a pas d'ambition. Voilà, voilà. Comment on trouve l'équilibre ? Est-ce qu'il y a une bonne réponse ? Est-ce que ça dépend des personnes évidemment. Pour moi, à ce genre de questions, il n'y a ni mauvaise, ni bonne, ni mauvaise réponse. C'est vraiment voir si le candidat s'est projeté, a réfléchi, a des idées pour la suite. Il peut ne pas en avoir. Hein, et, c'est juste savoir s'il a une idée un petit peu de la suite, de où il veut aller. S'il a réfléchi à son parcours professionnel, s'il y a des choses qui pourraient le tenter. Et donc, nous, parce que vous savez, je ne sais pas aborder ce point-là, mais parce que ce n'était pas le sujet, mais moi, je suis responsable recrutement et mobilité. Donc, après, j'accompagne des candidats dans leur démarche de mobilité. Donc, ça peut être intéressant de savoir si le candidat, il vise ce poste, il construit quelque chose et il se projette pour l'étape d'après, qui serait le poste suivant, que je sache et que je pense, moi, à penser à lui au moment opportun. Non, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Après, j'ai des candidats qui me répondent, écoutez, honnêtement, qui ont réfléchi, hein, mais qui disent honnêtement, ça va dépendre de ce poste-là, ça va dépendre de la suite, ça va dépendre des opportunités. Et à ce moment-là, c'est une réponse tout à fait valable. Très bien. Donc là, on va aborder peut-être les deux dernières questions. Quels sont les soft skills retenus aujourd'hui? Alors, par les entreprises, mais en tout cas, en particulier par BNP ou Paribas et les STET, celles qui sont les plus prégnantes aujourd'hui. Alors, ASEC, c'est une très bonne question. C'est vraiment intéressant, ça. Moi, j'en vois deux qui sont importantes, en tout cas, dans mon entreprise, hein, auxquelles on est extrêmement attentif. Je dirais l'engagement, la motivation, la volonté, la détermination à apprendre, à découvrir, à travailler, à apporter, à évoluer, à s'améliorer, à créer, à performer. Hein. On peut employer vraiment, enfin, on peut voir mille actions possibles, mais cette motivation-là, cette énergie, c'est quelque chose auquel on sera très attentif, qui va vraiment être important pour nous. La deuxième compétence comportementale que je considère clé comme pour mon entreprise, c'est la capacité d'adaptation. Les métiers de l'immobilier, ce sont des métiers qui nécessitent d'être en interaction avec un nombre d'interlocuteurs au quotidien extrêmement varié. Donc, il faut être capable de faire preuve d'un bon niveau de communication, d'adapter sa communication, la forme de sa communication, d'être capable d'adapter son rythme de travail, sa charge de travail, ses relations avec les autres, la capacité d'adaptation, savoir intégrer des nouveautés aussi, des innovations, intégrer le changement, s'adapter au changement, accueillir favorablement le changement, c'est un état d'esprit et une compétence comportementale qui sera extrêmement importante et que nous privilégierons à coup sûr. Merci. Et alors, on finit par cette dernière question, qui est souvent problématique pour les jeunes. Dans les offres d'emploi, il est souvent demandé beaucoup d'années d'expérience. Alors, est-ce qu'on peut candidater tout de même sur une offre d'emploi si on n'a pas ces années d'expérience, quitte à justifier ensuite soit d'un intérêt particulier de faire bonne impression en entretien, ou est-ce que c'est éliminatoire? Est-ce que vous en rajoutez, autrement dit, est-ce que vous en rajoutez dans l'offre d'emploi pour avoir le meilleur profil, ou est-ce qu'on peut quand même tenter sa chance et vous examinerez la candidature? Ça, c'est des questions beaucoup posées. C'est aussi une très bonne question.
Non, il n'y aura pas l'intention d'en rajouter. Il n'y aura pas l'intention d'en rajouter. Cela étant dit, moi, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est franchement, quand on a envie, qu'on est motivé, qu'on est intéressé, même si, de toute façon, vous ne savez pas qui va postuler en face, parce que peut-être que la personne aura le niveau d'expérience requis, mais peut-être que la personne n'aura pas forcément le comportement adéquat. Faut y aller, faut tenter, faut pas hésiter. Qu'est-ce qu'on risque au pire? Ben, on risque un email de déclin. Peut-être que à un moment T, on va demander 5 ans d'expérience, puis au fur et à mesure, on avance dans le recrutement et en échange avec le manager, il dit bon, et finalement, s'il a un petit peu moins, mais qu'il a telle compétence, allez, je peux. Donc, c'est vivant un processus de recrutement, c'est pas figé. Alors, évidemment, il faut quand même avoir quelques guidelines, hein, quelques principes, on essaye de s'y tenir. Mais la vie, c'est mouvant. Hein. Donc, moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de ne jamais hésiter. Si on a très envie, on est très motivé, il ne faut pas hésiter. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup, Camille. Donc, je rappelle que vous avez mis en ligne des offres d'emploi sur le forum Double Million en ligne. Je rappelle l'adresse senouest-entreprise.com. Vous avez près de 190 offres en ligne actuellement, 36 employeurs dans tous les domaines. Merci pour ces conseils et donc à très bientôt hein, soit sur votre site ou les forums pour les candidats qui veulent postuler chez BNP Paribas Real Estate. Voilà. Un grand merci à vous et pour votre accueil. Merci, bonne fin de journée à tous. Merci, bonne fin de journée à tous. Au revoir.